Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour en compagnie de notre petite chouchoute d'amour, l'oracle des animaux. Voici l'intérieur du livret. La queue de Cécilia. Les petites cartes. Donc c'est très simple, il suffit de choisir l'une des trois cartes et je vous lis la définition. Ça vous donnera la tendance du jour. Mais oui, ma chouchou, on te voit. On te voit, ma chouchou. Arrête de mettre ta queue. C'est toi. Donc, carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Vous avez le temps de choisir. Hop, 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 hop. Ça va faire tomber ça. Allez, carte numéro 1. L'écureuil, la tête à l'envers. Arrête. Écureuil. Tel un éclair roux. Temps des réserves. L'écureuil est aussi le grand spécialiste de l'épargne en prévision des mauvais jours. Il nous incite à ne pas dilapider ce que la vie nous donne et à en faire fructifier une partie, que cela soit sous forme d'économie, de placement ou d'investissement. Le conseil est aussi valable sur le plan humain. Ne vous contentez pas de prendre du bon temps avec insouciance. Sachez vous engager sur la durée. Faire des projets d'avenir, penser à demain. Carte numéro 2. Le dromadaire, la tête à l'envers. A, B, C, D. Je rends la traversée possible. Le message du dromadaire concerne l'endurance et notre attitude face aux difficultés. Arrête de te gratter, ça fait bouger. Morsure de dromadaire. C'est un... Aïe, bah tiens, c'est un dromadaire, ça, c'est pas un chat, dis donc. Cet animal est aussi réputé pour son caractère difficile, comme toi, oui. Certes, vos conditions de vie peuvent provoquer en vous beaucoup de mécontentement et de frustration, mais méfiez-vous, ne devenez pas aigri et ne vous en... Oh, et ne vous en prenez pas injustement aux autres. De même, si vous êtes parvenu à dépasser les épreuves, à traverser votre part de désert, évitez pour autant de juger les autres avec supériorité. Carte numéro 3, la grenouille. Je purifie ou j'empoisonne. Le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer. Animal des eaux stagnantes. Les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations qui n'évoluent plus. Les choses stagnent, nos pensées, nos relations, nos ambitions. Et n'étant pas animées par... Et n'étant habillées... Oh! Et n'étant plus animées par aucun courant de vie, elles finissent par pourrir et devenir toxiques. De plus, le croassement répétitif de la grenouille représente les 10 idées creuses que l'on entend ou que l'on ressasse sans cesse. Il faut savoir chercher de nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle ne s'assèche complètement et nous avec. Voilà, ça a été dur, hein. Bon, si toi tu m'as écouté jusqu'à la fin, mets-moi une grenouille en commentaire. Bisous, bisous, à demain!